Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. L'équipe des recycleurs a découvert un document du gouvernement chinois qui demande au CIO l'adoption de nouvelles disciplines olympiques mieux adaptées au contexte politique particulier de la Chine. Voyons cela ensemble, si vous voulez bien. Beijing 2008. Les nouveaux sports en démonstration. C'est dans les installations modernes du stade Atampa Kemui que le monde entier pourra découvrir les nouvelles disciplines suivantes. Tapoche ton tibétain. Expulse ton tibétain. Et le plongeon tibétain, dernier cri. Lorsque le barrage des Trois Gorges aura cédé, nous instaurons les compétitions aquatiques suivantes. Le wedgie sur quai flottant. Ou encore le petit poteau graissé du général Mazo. Voici le triathlon chinois, un savant mélange d'escrime de plage sans masque à la King, suivi de la promenade en panier à salade du parti sauce aux prunes et noyade en eau salée dans son jus. À ne pas manquer le saut de la muraille de Chine. Et la traditionnelle boxe de farfadet de la Mongolie occidentale. Pour les opposants du parti, il y a ouvre les deux quenouilles pour trouver la popoc dans le bassin d'acide muriatique. Pour les dames, concours de tremblement de terre. Et finalement, un extrait de notre cérémonie de clôture. Les journalistes sont partis tout le temps de madame. Oui, venez à Beijing, rencontrer notre hôtesse Xingoli, qui vous démontrera toute l'étendue de son ouverture et de la transparence du gouvernement chinois. On lui laisserait bien nous tirer l'oreille, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas drôle du tout, c'est le décalage horaire, je suis complètement barbouillé, je suis désolé. De plus, j'ai mangé des trucs innommables, il faut vraiment que j'y aille tout de suite, ça presse.